imaginez la démonstration suivante. Vous avez trois boîtes d'allumettes vides. Vous allez pouvoir les donner à vos spectateurs, à des enfants par exemple, ou alors à des adultes, à des magiciens même. Demandez-leur d'ouvrir les trois boîtes d'allumettes, de les examiner, de les mélanger, de les échanger. Il n'y a rien à voir. Ce sont vraiment trois boîtes d'allumettes vides et ordinaires. Il n'y a pas de marquage, pas de repère. Vous allez également donner un galet, un caillou que vous avez ramassé au bord de l'eau par exemple. Pendant que vous tournez la tête, ou alors vous pouvez même quitter carrément la pièce, un de vos spectateurs va prendre le galet et le cacher à l'intérieur de l'une des trois boîtes d'allumettes. Les boîtes vont être ensuite mélangées et posées en une rangée sur la table. Seulement là, vous pouvez à nouveau regarder ou revenir. Il vous faut une seconde pour deviner quelle boîte renferme le galet. Vous êtes prêt à parier 10 euros. N'ayez crainte, vous n'allez pas les perdre. 10 euros, si vous vous trompez, vous arrivez à éliminer pouf, deux boîtes, les deux boîtes vides. La seule boîte renfermant le galet est celle qui reste sur la table. Vos spectateurs pourront à nouveau tout examiner, il n'y a rien à voir. Vous n'avez rien dans les mains, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de complice. Et c'est surtout inratable. Une autre variante, vous avez deux briquets, un bleu et un rouge. Le spectateur, adulte cette fois, prend les deux briquets, les mélange dans son dos. Il revient les poings fermés. En une seconde, vous êtes capable de deviner quelle main renferme le briquet rouge et forcément l'autre main le briquet bleu. Ça paraît fou, mais c'est vrai. C'est inratable. Les amis, je suis fier de vous présenter aujourd'hui Sensation, mon nouveau tour.